Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une troisième découpe de l'ananas. Donc, je dis troisième découpe puisque nous avons déjà vu l'ananas en piston, hein, qui est déjà présent sur une vidéo. On a vu dernièrement l'ananas en gondole puisqu'on l'a utilisé dans la vidéo sur la salade de fruits exotiques. Aujourd'hui, nous voyons la troisième méthode qui est certainement la plus longue, la plus technique, même si le piston est également très technique, à savoir l'ananas en spirale. Présentation du poste de travail, une planche à découper, donc on est en préparation d'office lorsqu'on réalise ce travail-là. De par la longueur de la réalisation, on ne peut pas proposer ce genre de prestation au moment, hein, à moins d'être vraiment très très rapide et d'anticiper, c'est-à-dire avoir une prise de commande au départ, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire en préparation d'office. Donc planche à découper, là je travaille sur mon guéridon parce que je suis en situation examen, donc je travaille sur mon guéridon, mais on peut très bien imaginer qu'on travaille aux arrières. Une assiette à déchets conséquente, c'est-à-dire une assiette creuse puisque je vais avoir un volume de déchets assez important sur cette technique-là. Un trancheur, un couteau d'office, une pince. Comme d'habitude, le trancheur et le couteau d'office sont parfaitement aiguisés, c'est indispensable. On pourrait envisager, pour remplacer le trancheur, de travailler, en tout cas pour la première étape, c'est-à-dire peler le fruit, on pourrait envisager de travailler avec un couteau type couteau scie, couteau à dents, hein, couteau à pain. C'est tout à fait envisageable pour peler le fruit. Moi, je travaille avec le trancheur, mais il n'y a aucune obligation. Première opération, donc je vais dans un premier temps peler le fruit à vif, c'est-à-dire que je vais découvrir intégralement la pulpe du fruit, en essayant bien entendu d'être le plus rentable possible, hein, comme à chaque fois qu'on a des fruits à peler, c'est-à-dire en étant au plus près de la peau et non pas au plus près, enfin trop dans la pulpe, hein. D'autant plus que le but de mon épluchage va être à la fois de faire apparaître la chair, mais surtout de faire apparaître les yeux de l'ananas, qui vont être indispensables pour la suite de la technique. Donc, comme précédemment, lorsque j'ai une étiquette, je m'en débarrasse dans mon assiette à déchets. Et pour cette technique, tout de suite, je vais couper une assise, le plus près possible, bien entendu, du pédoncule. Donc, je rappelle que le pédoncule de l'ananas est situé ici. C'est ici le pédoncule, c'est là qu'il est raccroché à l'arbre, l'ananas. C'est cette zone-là que je découpe. Je n'en ai plus besoin. Tout de suite, je peux m'en débarrasser dans l'assiette à déchets. Vous avez constaté que j'ai posé mon couteau, hein, et j'ai pris soin de prendre ma pince pour me débarrasser dans l'assiette à déchets. Deuxième opération maintenant, je vais peler mon fruit. Donc pour peler le fruit, je vais partir le plus haut possible. On peut envisager de faire une incision sur toute la circonférence au sommet du fruit, au plus près du plumeau, mais ça n'est pas indispensable. Donc moi je fais 100. Donc avec mon trancheur, je vais peler le fruit en utilisant encore une fois un geste, en ayant un geste pardon, de scie qui consiste à utiliser la lame. Et non pas, alors là je vais le faire volontairement, en cherchant à appuyer comme ceci, où là je risque au mieux d'arracher un petit peu, au pire de couper et d'avoir un fruit non plus arrondi, mais un fruit à angle droit. Donc le seul moyen pour être sûr d'être rentable et de n'enlever que la pulpe, vous voyez, c'est de faire plusieurs passages de couteau très fin de façon à faire apparaître ici mes yeux. Régulièrement, je passe la lame de mon couteau sur le bord ici de ma planche à découper pour me débarrasser de l'écorce, hein, puisqu'il s'agit d'une écorce, hein, qui recouvre la pulpe, qui me gêne un petit peu si elle reste collée sur mon couteau. Donc là, on a un ananas. Plutôt un ananas, puisqu'on n'est pas censé en français prononcer le S en fin de mot. Donc on a un ananas d'un format type sweet, booba. Hein, ce sont des gros ananas. On pourrait très bien faire cette technique sur un petit ananas Victoria. Donc vous voyez là, je dégrossis en fait. Hein, je ne cherche pas à proprement parler, à tout de suite avoir pelé mon fruit au mieux. Je cherche juste à dégrossir et à faire apparaître ces fameux yeux. Et régulièrement, je vais débarrasser ma planche à découper et je vais même vider mes déchets à l'aide de ma pince dans mon assiette à déchets. Donc cette opération est un petit peu longue, hein, l'opération de peler le fruit à vif. Donc je vous propose de couper la vidéo pendant quelques instants, que je termine l'intégralité du fruit pour passer à l'opération suivante. Donc voilà, j'ai pelé mon ananas à vif, ça veut dire que j'ai enlevé l'écorce et j'ai cherché à faire apparaître ces fameux yeux au maximum. Avec mon couteau, soit mon couteau d'office, soit mon trancheur, je fignole un petit peu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois des parties vertes, vraiment très très apparentes,
Je n'hésite pas à passer un petit coup de couteau, mais très délicat, puisque là, vous voyez, je travaille dans ce sens-là, et que si je ne prends pas soin de freiner mon geste, si je râpe un petit peu, si je dévie un petit peu de ma tranche, ici, c'est mes doigts qui se retrouvent en risque. Alors, c'est pour cela que certains vont travailler aussi avec une serviette, c'est-à-dire attraper le plumeau, un petit peu comme on attraperait la patte d'un jambon qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. On va se protéger la main avec une serviette. Voilà mon fruit pelé à vif, vous voyez, hein, j'ai enlevé l'écorce et j'ai ces fameux yeux. Je vais donc pouvoir passer à la deuxième étape. Avant de procéder, la première chose à faire, c'est identifier une ligne. Alors, j'explique ce que j'entends par identifier une ligne. Si vous regardez la constitution du fruit, vous constatez que les yeux se suivent plus ou moins régulièrement. Et j'insiste sur plus ou moins régulièrement parce que le but du jeu va être de trouver la ligne la plus régulière possible qui va vous servir de guide. Et la ligne la plus régulière possible, en réalité, regardez, elle démarre ici, par exemple, à cet œil ici, à la base de mon fruit, et elle va remonter ici, mais elle ne va pas remonter droit, elle va remonter en prenant une forme de spirale, d'où l'intitulé de la préparation de l'ananas en spirale. Donc dès lors que j'ai identifié une ligne d'yeux régulière, ma spirale, je vais pouvoir commencer à dégager ses yeux. Pour les dégager, je vais travailler avec mon couteau d'office, soit avec la pointe, soit lorsque je maîtrise vraiment mon geste avec le tranchant. Le but du jeu étant de passer à droite et puis ensuite à gauche de l'œil, en ayant la pointe, si je travaille avec la pointe du couteau ou la lame, de toute façon inclinée, de façon à ce que, au cœur du fruit, mes deux lames se rejoignent pour pouvoir extraire les yeux et seulement les yeux, le moins de pulpe possible. Encore une fois, on cherche la rentabilité. Donc on y va, je démarre ma première spirale en passant au plus près des yeux. Vous voyez que je donne des petits à-coups avec la pointe de mon couteau d'office. Je passe toujours du même côté de l'œil, bien entendu, et je remonte jusqu'à arriver au dernier œil, ici en haut, celui-ci. Maintenant, je reviens au point de départ et ce coup-ci, je passe de l'autre côté de l'œil, toujours avec mon couteau en pointe. Et je vais, comme précédemment, venir lever cette bande d'yeux, ce qui va me permettre de n'avoir plus que la pulpe. Éventuellement ici, quand on a un petit peu d'impureté, on n'hésite pas à fignoler un petit peu. On ne va pas trop profond à l'intérieur du fruit, c'est très important, parce que si vous allez trop profond à l'intérieur du fruit, ensuite quand on va couper nos tranches, eh bien les créneaux, alors je parle de créneaux, mais vous comprendrez une fois que je couperai les premières tranches, les créneaux de ma tranche d'ananas vont être trop fragiles et risquent de casser. Donc là j'ai fait première bande, je vais passer à la seconde. Donc peu importe si je commence côté droit ou côté gauche des yeux, mais ce qui est important c'est de toujours passer au plus près des yeux, avec la pointe de mon couteau, de ne pas trop l'enfoncer, de l'avoir toujours en biais, et d'aller sur toute la longueur de ma spirale. Pareil ici, côté opposé. Alors après, une fois qu'on a la technique, vous allez voir la troisième bande, je vais la faire un petit peu différemment. Je ne vais non plus utiliser la pointe de mon couteau d'office, mais je vais carrément utiliser la longueur du couteau d'office. Voilà, deuxième bande. Je peux tout à fait me débarrasser ici dans mon assiette à déchets. On n'hésite pas, je vous le rappelle, à vider les assiettes à déchets lorsqu'on considère que les déchets sont trop importants. Lorsque le volume commence à monter trop haut, avant de ne faire tomber des déchets par terre, on n'hésite pas à arrêter son travail et à aller jeter son assiette à déchets. Ses déchets, pardon. Technique un peu plus assurée, un petit peu plus rapide. Là, je vais travailler avec le tranchant du couteau, donc je vais passer à droite. Vous voyez, ça me prend moins de temps puisque j'ai plus de longueur de lame. Néanmoins, j'ai toujours le souci de ne pas trop enfoncer cette lame et d'être délicat. Plus je vais travailler mon fruit, c'est-à-dire plus je vais enlever des bandes de yeux, et plus il va falloir que je travaille délicatement pour ne pas fragiliser ce fruit. Troisième bande.
et je vais ainsi de suite continuer sur la totalité de la circonférence de mon fruit. Je vous retrouve dès lors que j'ai terminé cette opération. Donc voilà, j'ai terminé de dégager les yeux de mon ananas. J'ai donc ce qu'on appelle un ananas en spirale. À partir de là, deux solutions peuvent se proposer. Je peux décider de garder mon ananas tel quel et de le présenter sur un plat rond, prévoir une planche à découper pour qu'au moment de l'utilisation, au moment du service seulement, je vais débiter mes tranches et enlever le cœur. Deuxième solution, je fais l'intégralité de mon dressage, là maintenant, tout de suite. C'est ce que je vais faire dans l'immédiat, avec deux variantes. La première variante, je vais découper des tranches d'ananas et enlever le cœur ensuite. Donc le cœur est ici. Selon le degré de maturité du fruit, il peut être plus ou moins tendre. Quand il est très très tendre, on peut envisager de le laisser. Mais dans le cadre d'une situation d'examen, vous êtes tenu de l'enlever. Donc pour l'enlever, j'ai le choix de l'enlever après avoir coupé mes tranches ou avant de couper mes tranches. Je vais commencer par la technique après. Première chose, choisir une épaisseur de tranche. Donc là, j'ai un ananas pour 4 personnes. Il faut déjà que je réfléchisse combien est-ce que je vais servir de tranche d'ananas à chaque personne. Je rappelle qu'en général, on dresse des chiffres impairs, 3, 5, 7, plutôt que 2, 4 ou 6. Donc moi, je vais partir par exemple sur 3 tranches. 3 tranches, je vais avoir des tranches d'à peu près un peu plus d'un demi centimètre d'épaisseur. Donc, en couchant mon fruit sur ma planche à découper, mais en évitant de trop appuyer dessus, ce sera très important pour la suite de l'opération, je vais simplement couper une tranche avec mon trancheur, puisque c'est le couteau qui est le plus long et qui me permet de découper la totalité de mon fruit, alors qu'avec le couteau d'office, je n'arriverai pas à faire quelque chose de régulier. Donc là, pour les besoins de la démonstration, je vais faire 2 tranches, la même épaisseur, et à présent, je vais enlever mon cœur. Donc pour enlever le cœur, je vais travailler avec mon couteau d'office. Je vais piquer ce cœur avec ma fourchette et tout simplement avec la pointe du couteau d'office, en donnant des petits à-coups et en faisant tourner ma tranche, en essayant d'être le plus rond possible, pas carré. Je vais enlever le cœur. Généralement, on va être obligé de faire 2 passages. Un premier passage dans ce sens-là, et là, regardez, si je... Ah, j'ai de la chance aujourd'hui, le cœur ne résiste pas. Mais parfois, on a besoin de retourner la tranche pour pouvoir l'enlever en intégralité. Donc là, je répète, un petit peu ferme quand même. On pourrait envisager de le consommer, mais pour cette préparation-là, j'enlève le cœur. Donc tout de suite, dans mon assiette à déchets. Deuxième tranche pour les besoins de la démonstration. La technique est la même. Avec la pointe de mon couteau d'office, je découpe et avec les dents de ma fourchette, délicatement hein, malgré tout, là je fais tourner ma tranche sur ma planche, mais je ne force pas trop sur celle-ci, parce que si je force trop, je risque d'arracher, de casser mes fameux créneaux. Et mes fameux créneaux, donc, ils sont ici. Là, là, là. Plus vous allez aller profond à droite et à gauche des yeux pour les enlever, plus ce créneau, bien entendu, va être prononcé, va rentrer en profondeur. Mais vous fragilisez votre fruit. Donc après, tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Donc là, on a 2 tranches d'ananas avec le cœur prélevé après découpage des tranches. Deuxième méthode, un tout petit peu plus technique. Et quelque part, un peu plus rapide, à mon sens, parce que je préfère personnellement travailler cette méthode-là. Je vais d'abord, avec la pointe de mon couteau d'office, enlever le cœur. Alors quand je dis enlever, en réalité, je ne vais pas l'enlever. Je vais le détailler avec la pointe. Je vais chercher à enfoncer ma pointe 1 cm, 1,5 cm, bien entendu. Je ne vais pas chercher à faire toute la longueur du fruit en un seul coup, c'est impossible. Mais néanmoins, donc je répète, avec la pointe du couteau d'office, des petits à-coups comme ceci, j'essaye de rester rond. Quand je remonte, c'est un petit peu là où on a tendance parfois à trop forcer. Et le couteau aurait tendance à, si on force, enfin, c'est-à-dire si on cherche à arracher et non pas à couper, on va avoir éventuellement le risque de faire remonter le couteau et de couper l'ananas sur la totalité du fruit. Donc c'est pour ça qu'on travaille par petits à-coups, très légers.
Une fois que le premier coup de couteau est donné, vous voyez que je peux enfoncer ma lame beaucoup plus profondément, ce qui va me permettre de débiter 2 à 3 tranches selon l'épaisseur que j'aurai choisi en gabarit. Puisqu'à présent, il ne me reste plus qu'à, alors pour les besoins de la démonstration, je vous le montre ici directement, il ne me reste plus qu'à couper ma tranche. Et si tout va bien, mon cœur est déjà sorti. Et j'ai exactement le même résultat que sur les tranches précédentes. Tranche suivante, si j'ai été assez profond, le cœur va sortir, autrement il ne sortira pas. Si besoin est, s'il ne sort pas, je redonnerai un petit coup de couteau pour finaliser ma tranche. Mon cœur, ici, assiette à déchets. Et voilà pour la présentation de l'ananas en spirale. Alors si vous décidez non pas de présenter ce qu'on appelle un ananas carte, donc je rappelle pour mémoire ananas carte, je prépare ma spirale. Généralement, personnellement, j'aime bien envelopper l'ananas dans ces cas-là de papier film le matin pour éviter qu'il ne s'oxyde, parce qu'il va y avoir un changement de couleur, hein, il va passer de jaune à jaune foncé. Noir, ce serait beaucoup trop oxydé, hein, mais en tout cas jaune foncé. Et pour éviter qu'il ne s'oxyde trop, moi je fais filmer l'ananas carte. Et au moment du service, j'arrive sur mon guéridon face à mes clients et je découpe mes tranches selon la première ou la deuxième méthode. Ça peut ensuite partir sur d'autres préparations, comme précédemment nous avons eu l'occasion de voir l'ananas flambé au kirsch ou l'ananas flambé au rhum. Voilà pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de faire ce qu'on appelle un ananas découpe carte. Rappel, tous les fruits frais, lorsqu'ils sont servis sur la table des clients, sont proposés avec du sucre en poudre en saupoudreuse. On pense à vérifier que le sucre en poudre, il s'agit bien de sucre en poudre dans la saupoudreuse et surtout qu'il ne s'est pas compacté le matin pendant vos travaux de mise en place. Et on peut même envisager pour l'ananas frais de le proposer arrosé avec une eau de vie ou une liqueur, kirsch, eau de vie de cerise, cointreau, liqueur à l'orange, du rhum, eau de vie de canne à sucre. Voilà pour les trois plus courants, les trois plus classiques. Et bonne dégustation à nos clients.